for a special rock bottom introductory price of $2 million. The number to call is 1-800-STAR-WARS. Don't miss this amazing once-in-a-lifetime opportunity. Test 1, 2, 1, 2. This beautiful 4,000 carat diamond can be yours today for a special rock bottom introductory price of $2 million. Salut ceux qui arrivent, je teste un peu le son par rapport à la voix en fait. Et je vais lancer. Je laisse l'intro, je coupe ma voix, parce qu'elle est sympa. I don't think you should drink that. It looks bad for you. Nonsense. It makes me feel great. Smarter. I feel like I could. Like I could. Like I could. Look, Hoagie, it's a hamster. I think I need that for the band, Laverne. You know, like we could bite its head off or whatever. Hands off that hamster. Friend of yours, Bernard? He belongs to Weird Ed Edison. And it looks like he's brought us a note. He says that purple tentacles mutated into an insane genius, and Dr. Fred's going to kill them both. I thought I was free of Dr. Fred and those crazy Edisons forever. But now, back to the mansion. Bon allez, on va passer l'intro quand même, si on y arrive. Non, on peut pas. Si on peut. Voilà. Ok, we'll spread out. Donc, salut tout le monde. Hein. Donc c'est un jeu d'aventure comme il y avait avant, en fait, sur PC.
téléchargé, je l'avais fait quand j'avais 13 ans, hein, donc ça date un peu, hein, quand même. Alors, nous devons découvrir où le docteur Fred a envoyé son protectionnel. Non, ça va vite le texte. J'ai un examen d'anatomie demain. Alors, c'est un jeu d'aventure, hein, tellement old school que je sais pas si vous kifferez, hein, mais on va voir ça ensemble. Hein, c'est un peu la découverte du jeu What the Freak du moment. Donc, la question est, où est son labo secret? Donc, moi je sais, je m'en souviens. Alors, marcher, ok. Changer de mode de rendu. Ok, ça on s'en fout. Okay, on va essayer. Hein. Donc, ça, le prospectus, donc prendre, c'est ça. Ouais. Hop. Après, la petite pièce, ça je m'en souviens. Hop. Ta-ta-ta. Hop. Et là, on va aller hop, à l'horloge. Donc, il faut aller dans l'horloge. Ça, je m'en souviens. Hop. Un secret passage. Et j'ai débloqué un succès. Pourquoi je m'en souviens un peu, hein. Donc, salut à ceux qui arrivent. Hein. C'est un petit délire, hein, que je me fais. Donc là, il y a le gros hard-rocker qui est monté à l'étage. Le gros psychopathe qui aime bien disséquer des hamsters et tout bazar. C'est totalement what the fuck. Alors, c'est quoi une tentacule? Just something I whipped up in my spare time. Pour me bien, un petit élément, en fait. Jusqu'à ce que l'une d'elles veuille dominer le monde. Donc une tentacule qui domine le monde, hein. Donc il faut l'empêcher de dominer. Non, j'ai pas refait de... Bah, j'ai plus de gemmes pour sur OPTC, donc forcément, je l'ai un peu dans le cul, mais... Donc, il faut que je rééconomise. Ah, et là, il libère les tentacules, Bernard. Sauf qu'il y a la tentacule mauve, en fait, qui est la méchante. Oh là là. Et donc, il y a la gentille tentacule qui est la tentacule verte. Il est incroyablement mal, n'est-ce pas? I'll try to talk him out of it. Il va essayer de le raisonner. Attention. Well, what possible harm could one insane mutant et folle pourrait bien faire de... Alors, le docteur fou. Dr. Fred. What have you done this time, you meddling milk toast? Now purple tentacle is free to use his evil mutant powers to take over the world and enslave all humanity. And prevent the toxic mutagen from entering the river. Ah, j'en ai aucune idée. J'en ai franchement aucune idée. Of course. Faut voir avec Zombie, t'inquiète, t'as le lien, en fait, sur ma page d'accueil de YouTube, t'as le lien vers Zombie, t'inquiète, c'est une chaîne, et il fait surtout du Bleach, donc tu sauras, il est plus au courant que moi sur l'avancement du jeu. Temporel, c'est des chrono WC, voilà, c'est des toilettes temporelles. No, you must all go. Pour augmenter votre chance de survie. That one of you will make it there alive. Have any people ever been hurt in this thing? N'y a jamais blessé avec ce truc. Of course bien not. Sûr que non. This is the first c'est ma première expérience. Et c'est parti. Voyage temporel, hein. Donc on est en plein dans le Mirai Trunks, hein, Dragon Ball Super. Well, hein. I'll be. Donc c'est parti pour différentes lignes temporelles. J'aime bien Bernard Flood par ici que je te tabasse. What could it all mean? Alors, quel est le sens de tout ça? Je ne veux pas le savoir. Yeah. We may not live to see yesterday. I'm sure Dr. Fred wouldn't have done this if it weren't safe. Je suis sûr que le docteur Fred n'aurait pas fait ça si nous n'étions pas en sécurité. Après tout, il est docteur. It works. I can't believe it. Ah, le mec, il était même pas sûr que ça marche. Il disait qu'un diamant synthétique ne suffira pas. Et donc ça part en couille. Ouais. Ouais, je connais la... Enfin, il n'y a pas que Susucre, hein. Y a plusieurs personnes qui s'occupent de cette chaîne, mais ouais, ça a l'air sympa. Je parlerai parce que la chaîne est sympa. Ah bon? Non, mais je savais pas. Donc, pendu par la culotte, ok.
Hop. Et donc, Bernard, il est retourné dans le pré. Chief Mail Order Jewels. What happened to Hoagie and Laverne? I knew I should have bought a real diamond. Are they alive? Ils sont vivants. My dials say that the largest specimen que le plus gros a atterri 200 ans dans le passé et l'autre 200 ans dans le futur. Il faut vite les ramener. Dès que j'aurai un nouveau diamant, le premier objectif, récupérer un diamant. Ouais, j'économise mes gemmes. Hein. Je fais les gemmes sur Bleach, je fais uniquement en vidéo. Je fais pas des invokes YOLO tout seul. Sauf les tickets, quoi. Les tickets, on s'en moque. Plans? How are we gonna get Hoagie plans? Don't worry me with details, boy. Donc on peut on peut s'échanger des objets dans les différentes timelines en fait grâce au chrono VC. Donc faut les mettre dans les VC et ça allez. Un, trouver un plan. Deux, sauver le monde. Ok, c'est tranquille, facile. Trois, sortir de la maison. Ok, donc je vais baisser un peu le son du jeu. Allez. On baisse un tout petit peu le son du jeu. Hop, ça devrait suffire. Donc, là, je peux me déplacer. Ok. Donc, j'ai dû les mettre là-haut. Alors là, ils cherchent les plans. Donc moi, déjà, qu'est-ce que c'est que ça, là? Un papier. Allez, je vais prendre le papier. Il prend le papier. Ok. Ah, ok, c'était les plans. D'accord. Donc, faut les envoyer dans la chiotte temporelle. Super batterie, ok. Hop, dans les chiottes. À travers le temps. Non, pas dans les toilettes, à travers le temps. Chrono VC. Allez. Ouais, mais je le garde. Le Skype, je le garde vraiment si je fais des trucs en fait. Ça est ultra privé. C'est sinon après c'est le bordel. Ouais, non, mais en fait c'était une option que j'avais oublié de décocher, donc il n'était pas cassé. Hein. C'est une mauvaise configuration que j'avais faite. Marche bien comme il faut. Alors, donc là il est dans le passé 200 ans en arrière. Et donc là, il communique par le trou des chiottes. Ok, donc il est... Alors, comment allez-vous entrer là-dedans? Tu prennes le plan qui est dans le chrono VC. Ok, c'est parti. Ah non, c'est bon. Arrière, tu sauras quoi faire. Blablabla. Ah, faut trouver son arrière-grand-père dans le passé. Ok, ça marche. Ça marche. Si tu le dis, Bernard. Good boy. Does he have any experience with electronics? Well, I once saw him take. Donc oui, il s'y connaît en électronique. C'est pas écroulé. Alors. En fait, il était déjà écroulé quand c'est arrivé. Alors, je pense qu'il est temps que je sauve le monde. Ok, donc on peut switcher déjà d'un personnage à un autre. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Salut. Attends, on peut parler. Ah, c'est Benjamin Franklin, carrément. Alors, parler, ça doit être ça. Ouais, j'adore le design, en fait, de jeu. Le savant, lui aussi. Alors c'est un aubergiste. Ok, c'est l'aubergiste. Pourquoi institution? Vous devriez dire découvreur d'électricité. Que faites-vous là? Ouais, j'ai du mal à y croire aussi. Ok, bon, on se barre. On ira le voir plus tard. Allez, on va aller donc à l'hôtel. Il est trouvable assez facilement. Hein. Tu tapes Day of the Tentacle. C'est,
Là, je l'ai mis sur iOS, mais il est disponible sur PC gratuitement. Donc, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête. Tiens, il y a une boîte à lettres. Ah, il y a une lettre. On prend la lettre. On va regarder la lettre. Regardez la lettre. Hop. Vous êtes génial, quel design innovateur. Venez immédiatement à Baltimore. Ok, ça c'est cool. Allez, on entre. Et on rentre. Tiens, bah déjà, une momie. Alors, on parle à la momie. C'est parti, quoi de neuf? Ah bah ouais, c'est une momie, il peut pas parler. T'as un super chapeau, mec. Il répond pas. A plus, mec. C'est mortel. Tiens, on va aller dans le passage, dans le secret passage qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, ouvrir. Hop. Et on rentre. Ah, horrible. Donc. Hop. Pas pour l'instant. Je vais rester sur Naruto, Dragon Ball Z, One Piece et occasionnellement du Bleach. Mais sinon, je pense pas faire d'autres jeux pour l'instant. J'avais envie de me reposer sur un petit jeu que j'avais fait il y a très 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 longtemps. Donc, c'est vraiment du oldies. Hein. Alors là, j'ai même pas écouté ce qu'il disait. Alors, vous connaissez... Que faites-vous? Voilà. Vous avez l'air de faire quoi, Jimbo? Je connais un inventeur qui vous ressemble. N'est pas un de mes fils, en tout cas. Apparemment, moi, Red Edison, plus grand génie de mon époque, je suis le dernier d'une longue lignée de savants renommés. C'est un peu relou. Alors. Bon, on verra plus tard. Vous me verrez. Hop. Prendre la blouse. Ah, il veut pas. Tableau, regardez. Tiens, on va mettre. C'est ça le plan? Ouais, utiliser. Donc le plan. Super batterie, conception brillante, surprend parfois. De l'huile, du vinaigre et de l'or. Ok. Donc l'huile, du vinaigre et de l'or, c'est parti. Ta-ta-ta. Change le drapeau toutes les 5 minutes. Ah, c'est les drapeaux US. Hop, hop. On va monter. Allez, première porte. On ouvre. C'est une chambre. Tiens, il y a un truc. Cordon. Tirez le cordon. Here I am. Don't get your curls in an uproar. Excuse me, Mr. Washington. Ok, elle est myope, elle ne nous reconnaît pas. All done here. Bye now. Poussez le lit. Hop. C'est tout. Utilisez le lit. Non, il veut pas. Ok. Attends, on va refaire le tirage de corde. Excuse me, Mr. Washington. T'as comment elle parle, elle est complètement avec la bouche. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Ça change que dalle. Bon, on se barre. Allez, on ouvre la porte. On va voir un peu ce qu'il y a. Ah bah c'est la meuf. Attends, on va prendre le drapeau. Ah non, il veut pas. Hop. Drapeau, prendre. Ah, il veut pas bouleverser l'histoire.
Comme c'est gentil, hein, pour un jeu total what the fuck. Allez, si. Tadam. Tiens, il y a une bouteille de vin. Donc on va la prendre. Ça doit être pour le vinaigre. Ça va être utile pour le vinaigre. Ça doit être la chambre de comment? De Jefferson. Dans les slips des autres. Ok. Ouais, mais moi aussi c'est pareil. Je l'ai trouvé tout à l'heure. Il était mis en avant sur l'Apple Store. Donc quand je l'ai vu, je l'ai téléchargé direct et pouf, je fais un petit truc. Alors on va parler au cheval. Là. Hop. Hi, horsey. Salut cheval. Oh, hi, yourself. Salut. T'as un cheval qui parle. Ça commence. Wow, so can you. Vous aussi. Quelle coïncidence. Je ne pensais pas que les chevaux pouvaient parler. Ils n'avaient peut-être rien à vous dire. Vous n'y avez jamais pensé, Tala. Alors les chevaux m'auraient snobé toute ma vie. Vous pouvez voir ça comme ça. Oui, il y a de l'or. Tac, tac. Comme vous dans un autre appareil. Il faut de l'or, mais bon, on continue de fouiller la maison, hein, voir ce qu'il y a un peu. À plus tard. Donc, on ouvre la porte. Ouverture. Ah, c'est le sculpteur là. Nous sommes tous les deux bien vivants. Il n'y a aucun de nous qui n'est employé. Nous sommes les Edison. Ah, en fait, il n'y a que des Edison, quoi. C'est toute la famille Edison qui se trimballe dans la maison. Donc ça fait référence, en fait, au premier jeu. Ça, c'est le deuxième. Mais il n'y a pas vraiment de suite logique, en fait, entre les deux. Hein. Carrière scientifique comme lui. C'est merveilleux. Ne bouge pas. Bonne nuit. Ali Rice. Bon, c'est pas grave, hein. Pas le choix en live ou non, de toute façon, je jouerai quand même au jeu. Donc, c'est histoire de partager, de pouvoir discuter au cas où. Même s'il y a deux pélos sur le stream, c'est pas grave, hein. Alors. Je suis le modèle, je dois me déshabiller. Non. J'ai des mangas et tout. Mais j'ai lâché, en fait, au passage, on va dire, des gros insectes. Je trouvais ça un peu pourri à partir de ce moment-là, quoi. Donc, mais apparemment, on m'a dit que c'était presque la fin de du manga, donc... Je suis livreur de marbre, c'est ma ville de rock qui est, désolé. Ok, bon, on va se barrer, on reviendra plus tard, en fonction des énigmes. Attention. Ok, on se barre. Et on monte à l'étage, on peut. Donc voilà, la petite souris. Ah, est-ce qu'on peut passer par la fenêtre? Ouais, je m'en souvenais bien de ça. Je m'en souvenais bien. Ah ouais. Il faut une corde ou un truc comme ça. Donc, je verrai après. Hop. Manga que je préfère. City Hunter. C'est vraiment un truc que je kiffe. Allez, on prend le chat. Non, il veut pas. Et la souris. Ah, il veut pas non plus. Ouais, il y a les premiers tomes de Hellshield 21 que j'ai bien aimé. Oh, il y a pas mal de mangas que j'ai bien aimé. Nana aussi. Le shoujo pour fille Nana, j'ai bien kiffé. Lovely Complex aussi. Un autre shoujo que j'ai bien kiffé. Ah, tiens, le chariot. Je vais pousser. Ah, il y a un petit truc. Attends, regardez. Ah, le savon. Voilà. Prendre le savon. Ah, c'est pour ça, en fait. Il y a la meuf qui est toujours dedans. Ok, je pouvais lui piquer, donc, un ch'ti bidule. Ok. Mon jeu préféré, c'est Megaman.
Megaman, je kiffe à mort. Surtout le 2. Megaman 2. Le 1, moyen, mais le 2, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Megaman 2. Avec des musiques de folie. Alors. Yo. Hello. Qui est-il? Vous avez froid? Cold? Froid? Je suis gelé. Pourquoi ne vous faites pas un feu? Qu'il a besoin de sa bûche pour la postérité. Ok. Who'd want a poster of a log? I don't get any respect around here. Why, I bet it's George I spent the winter in Valley Forge, Washington. Bon. Bon, je vais y aller, j'ai parlé à l'autre, voir ce qu'il raconte de beau. Ah, il y a la plume. Est-ce qu'elle est en or, la plume? Ah, il y a carrément George Washington. Salut, George. Vous ressemblez à George Washington. Mademoiselle Washington. Eh ouais, t'es seul. Mais ça, c'est être le Shikaku, hein. C'est être insomniaque et être tout seul, quoi. C'est normal. Alors, comme le sandwich, quel nom étrange. Alors, vous n'avez... C'est vrai, cette histoire de cerisier. Alors, bien sûr que c'est vrai. J'ai abattu des centaines de cerisiers. Ah, ça y est, je m'en souviens. Il faut peindre l'arbre à l'extérieur en rouge. Comme ça, il va couper l'arbre. Alors, je sais ce que ça apporte, mais on va quand même le faire. Il y avait encore des cerisiers dans le coin. Ok. En Europe, je pense pas que le jeu Fairy Tail va sortir. Enfin, pas ceux qui sont déjà disponibles, parce qu'ils sont. Mais s'il y en a d'autres qui sortent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, je vais aller peindre l'arbre en rouge. Ça, je m'en souviens. On va vite fait aller dans le truc arrière là, voir ce qu'il y a. Ok, tiens, il y a des pattes. Il y a des pattes, ça en prend les pattes. Hop, ça ici. Ouvrir. Hop. Tac, tac. Ah oui, il y a un truc ici, ça je m'en souviens. Hop. Ah, c'est une brosse. Ok. Ça, le seau, on le prend. On prend tout là. On vide. Faut le remplir d'eau. Utiliser. C'est ça? Ouais. Donc, utiliser le seau avec ici. Hop. Et maintenant, on sort. Non, il est... Enfin, Hunter x Hunter est comme le style Blazing, mais Fairy Tail, c'est plus du... comment? C'est plus, ouais, du One Piece Treasure Cruise. Enfin, il y en a deux jeux. Il y en a un qui est style de... Enfin, Dragon Hunter ou un truc dans ce genre-là. Et t'en as un autre, c'est One Piece Treasure Cruise. Voilà. Donc, il y a deux jeux. Il y a deux jeux Fairy Tail. Moi, j'en avais fait un en vidéo qui est peut-être le plus pourri. Faut regarder, en fait, dans ma playlist autres jeux. Et t'as un jeu... Donc, où en fait, quand tu fais des lignes, ça permet d'attaquer. Bah, c'est un peu comme Dokken Battle, mais en plus facile quand même. Alors, tac. Donc, on utilise la brosse avec le seau. Ah, faut le savon. Le savon avec le seau. Voilà, la brosse avec le seau. Et on nettoie le carrosse. Salut Adam. Ah, là, je vais faire pleuvoir. Je vais faire pleuvoir. Ah, et ça y est, je me souviens. En fait, ça fait pleuvoir. Et donc, il y a comment? Il y a le mec, là, Edison. Ah, voilà. Il a réussi à faire son expérience. Donc, c'est comme ça qu'on fait pleuvoir. Même la science dépend parfois de quelques gouttes de pluie, mon garçon. Et
sec. Allez, je retourne à mes schémas. Non, je suis loin d'être le meilleur youtubeur. Tiens, d'ailleurs, j'ai regardé un peu les stats parce que je voulais faire une petite émission là pour les 10 000 abonnés. Et donc ce mois-ci, j'ai gagné 900 abonnés, mais j'en ai perdu 172 mecs qui sont désabonnés de ma chaîne ce mois-ci. C'est quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, attends, on va aller à l'arbre. Un reroll des gemmes Kizem 5 étoiles. Lys 5 étoiles. Kizem, il est bien, je disgrade le pide. Alors, la peinture, on va l'utiliser donc. Non. Ah. Utiliser la peinture sur l'arbre. Voilà. Ça, je m'en souviens. Hop. Donc, ça le transforme en cerisier. Et on va voir George Washington pour qui coupe. En gros. Ouais. Non, ça dépend. Hein. Ça dépend. Franchement, les abonnés que je gagne, c'est complètement aléatoire. C'est vraiment complètement aléatoire. Là, je me disais, tiens, je suis bientôt 11 000. Et paf, 40 abonnés en moins. Donc, finalement, ça a rechuté. Et... Ta-ta-da. Allez, bonne nuit BFA. Et merci d'être passé. Alors, parlez à Washington. Tac-tac. Voilà. Vous cherchez la vérité. Hein. Eh ben. Vous me feriez une démonstration. Ah ouais, bah t'as carrément... Moi je suis que en baisse sur ma chaîne. Hein. Tout le monde s'est barré de ma chaîne. Hein. Tout le monde en a marre de m'entendre. Bon, il va les couper. Faites une démonstration, voilà. Bon, il veut pas. Alors, vous avez... Regardez par la fenêtre. Une splendide sur les toilettes. C'est tout. Hey, il veut... Ah, l'anime. L'anime, regardez. Attends, faut attendre. J'ai vu qu'il y avait son dentier. Attention. Ah non. Ah, c'est dommage. Bon allez, on va essayer de lui faire regarder par la fenêtre là. Alors, vous n'étiez pas président. Je pense être élu à l'unanimité. Je suis un grand fan de l'éducation, vraiment. Vous avez vraiment un dentier en bois. Peut-être j'utilise effectivement des dents artificielles. Adam qui me remonte les morales. Pour moi, t'es la personne qui a inspiré plein de youtubeurs à faire des jeux mobiles. Ouais, mais je suis celui au final. Ben non, mais Adam aussi, hein. Adam aussi, il a commencé quasiment en même temps que moi à faire les jeux mobiles manga. Hein. On est quasiment du. On a commencé quasiment ensemble, hein, si je me souviens bien. Alors, celui qui a... Putain, mais moi, je veux qu'il coupe... Bon, allez, je dois y aller. Je veux qu'il coupe l'arbre, moi. Comment... Bon. Il me... Je vais prendre... Ah, une plume en or. Je prends. Ne touchez pas. OK. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans... On a du vin, donc ça faut le faire vieillir, donc faut le mettre dans la capsule. Ah bah c'est génial, donc là on va pouvoir avoir du vinaigre en mettant le vin dans la capsule temporelle. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est pas vraiment du jeu mobile manga.
vrai que quand on fait rien, vraiment, ils font des animations. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, c'est... Ouais, ça, faut que je le donne dans le futur. Donc là, j'ai un ouvre-boîte qu'il faut que je donne dans le futur aussi. Et des pattes. Pour ça, c'est dans le... ouais. Donc, on va aller échanger, filer des trucs à Bernard. Hop. T'es gentil. Faites-moi descendre. Ah bah ça y est, là on retrouve la meuf dans le futur là. Mais dans le futur futur. Hey hop. Et on reprend. Et moi mes potes ils me disent que j'ai deux de tension. Hein. Faut dire que je dors pas beaucoup, hein, comme Shikaku le fait remarquer. Alors. Je vais mettre déjà l'ouvre-boîte dans les chiottes. Hop. Avec Bernard. Ah non, je crois que c'est avec l'autre. Bon, déjà avec Bernard. Bien que non. Il fait un besoin. Ok. Hop. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'il a décroché pour que dans le futur, en fait, il n'y ait plus l'arbre et donc qu'elle tombe. Ok, donc on va retourner avec Oogie. Comme ça, il a une raison de couper l'arbre. Peut-être que ça marche. Alors déjà, la lettre, ça je sais, c'est pour dans le futur. Donc, ça on va le prendre direct. Ça, hein. Les lives à 1h du mat. Bah, tu veux que je les fasse quand, hein. Si tu veux, en journée, je bosse un peu quand même. Donc, Je peux pas en journée. Et en journée, tout le monde est en cours ou taf. Hein, donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, après, c'est 1h du mat ou rien. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a une pièce. Ça, c'est quoi? C'est le livre. Manuel de conception des... Ok, c'est vraiment nul. Ok. Donc, on retourne avec lui. On va essayer de faire couper l'arbre. Allez. Ouais, il y a Lilian qui fait souvent des lives à pas d'heure, quoi. Hop. Oh, je commence à fatiguer. Hein. Vivement le café. Il n'est pas encore fait de reparler au mec. Hein, à George Washington, pour qu'il coupe le cerisier. Allez, coupe le cerisier. Cerisier, coupe-le. Excuse me. Yes. Regardez là-dehors. Ah, ça, il va regarder notre futur de notre nation. Ce jeune couple près de l'arbre. Voilà, regarde l'arbre. Regarde. Il admirait son reflet dans la vitre. Moi, je regarde à travers la vitre. Ah voilà, je suis sûr que c'est du bleu. Vous ne seriez incapable d'abattre un cerisier. Du bleu, vraiment. Tatin. Je montrerai s'il y avait un... Et voilà. Voilà, enfin, il va péter cet arbre. Ouais, je ferai la rediff, hein, de toute façon. Moi, ça me coûte rien. Allez, il va couper l'arbre. Et donc, dans le futur, hop. Et donc, la meuf, elle est plus bleue. Boum, voilà. Ouais, il y a une playlist pour tous les lives, en fait, que j'ai fait. Qui sont plus ou moins intéressants d'ailleurs, parce que c'est du live, hein, ça part un peu en slip, hein, c'est pas comme une vidéo où je sais à peu près ce que je... Et voilà, donc je peux aller dans le futur avec... Boum! Ah merde, elle est en prison. Déjà, ça commence bien. Donc là, il va y avoir moyen de sortir de prison, déjà, c'est le premier objectif. Et donc là, on remarque qu'il y a la famille de Taré. Maître. Ah oui, c'est devenu. Les humains sont devenus des animaux domestiques pour les tentacules.
Hein, c'est comme ça le futur. Body, Dr. Fred. Elle connaît le nom des cartes. On prend les cartes. Comment elle marche, ça m'a toujours fait gueulerie. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Est-ce que si on avance, on se fait électrocuter? Ouais, c'est, je me souviens bien. Donc comment on, faut pas, je vais parler. Ah ouais, faut aller aux toilettes. Faut aller aux toilettes. Non, on va parler où? Si je me souviens bien, il faut aller aux toilettes. Alors, tac tac, violation. Voilà, je dois aller aux toilettes. Ça, je m'en souvenais. Attention, elle est bien bonne. Imaginez un humain dans des toilettes. Et oui, parce qu'on est relayé au rang d'animaux de compagnie quand même. Ah, ok. On peut récupérer. Ah, donc on peut aller aux toilettes. Voilà. Donc, on prend la prise. Alors, prise avec la fenêtre. Avec. Non, bon, à utiliser la prise avec. Ah, faut une rallonge. Faut une rallonge. Alors, elle a quoi dans son inventaire? Elle a un scalpel. Mon Dieu. C'est horrible. Elle adore découper les hameçons, explorer un peu la maison, voir les objets qu'on peut trouver. Donc là, il n'y a que dalle. Ok. Ah, là, il y a son. Y a le... Ah, je vais lui filer le mot là. Ah, non, c'était pas ça qu'il fallait le levier. Ah, c'est déjà trop tard. Bon, on va monter à l'étage. Ta-ta-ta. En douceur, on va déjà explorer le rez-de-chaussée, voir ce qu'on peut trouver de beau. Donc, office, ouvrir la porte. Bah, t'es pas obligé de rester. Hein. De toute façon, il y aura la rediffusion. Donc, même si tu restes pas, tu pourras toujours mater là où on en était. Voilà quoi. Donc, je peux te le dire à peu près où on en est. On en est à 54 minutes de live. À prendre. C'est toujours bon à prendre. Hop. On va ouvrir le tiroir. On va regarder. Ah, il y a un correcteur. Donc, du type X. Hop. Le portrait. On pousse le portrait. Je me souviens qu'il y a un coffre. Ah, il ne veut pas ouvrir. Voilà. Et après, le somnambulisme. Allez, on ouvre la porte. Ah, il y a un truc. Je me souviens qu'il y a un objet à pécho. Ah oui, il y en a même plusieurs. Alors attends, faut aller avec elle. Scalpel. Je disais scalpel avec les toilettes. Voilà. Et là, avec Bernard. Hop. On va récupérer donc le scalpel. Non mais là j'ai plus d'énergie, c'est pour ça que je me suis pris jeu parce que j'ai complètement défoncé l'énergie de tous les jeux, donc je me suis dit tiens, je vais faire un peu ça. Pour mes muses. Et bon, ça fait un petit live détente. Ouais, là je vais juste faire ça. Et une fois que j'en cocherai un peu trop d'épisodes là-dessus, voir ce que ça donne. Éventuellement, je verrai les retours. Alors, utiliser le scalpel sur le clown. Allez. Bam! Et voilà. Et donc là, je prends la boîte. Ça, je m'en souvenais. Hop. Ça, faut que j'ouvre la grille. Je sais. Alors, qu'est-ce qui me... Hey boy, you missed the... Ah, c'est Edison. C'est le même mec. Ah, il y a les dents. I roll them myself. Oh, want a cigar? Like, donnez-moi sure, lay one of those un cigare. Babies on me. Thought I was gonna blow your head off there. You were right. Les blagues de merde. Ding. Ok. Arrête de te marrer.
Tu ne devrais pas fumer, c'est une sale habitude. C'était censé être marrant. Alors. On va prendre les dents. Ah, il veut pas. Alors. Prendre les dents. Slippery little devil. Allez. Ah, elle revient. Elle revient, elle revient. Voilà. Ah, voilà. Et maintenant, elle est tombée dans le truc. Et je peux ramasser. Et on utilise la cheminée pour grimper tout en haut des toits. Tadam! Et là, il n'y a pas grand-chose. Ah, si, je vais prendre la manivelle. Parce que je crois que ça va servir à un moment donné ou à un autre. Voilà. Non, c'est fermé. Bon, on va redescendre. Alors. On va aller dans la pièce du fond, voir ce qu'il y a un peu. On va prendre la fourchette. Très le hamster. Je m'en souviens. Faut mettre un hamster au micro-ondes. Ça, je m'en souviens. Et le... Faut prendre les deux cafetières. Alors, ça, je m'en souviens. C'est comme ça qu'il est somnambule, le mec. Et il a des effets secondaires avec le café. Ça, je m'en souviens un peu. Allez. Hop. Ouais. Ah, moi, je vois... Même s'il n'y en a que deux qui parlent, ou même tout seul maitenant, puisque... Manga Ichi allait se coucher, je crois. Non? Alors, on va ouvrir le placard. Allez, hop. Ok. Donc là, on va monter à l'étage. Maintenant qu'on a un peu tous les schmilblicks. Là, je me souviens, on peut prendre la pancarte. Ouais. L'offre d'emploi. Ah, je suis en train de dépouiller la maison, là. Je me souviens des objets à prendre, mais je me souviens plus trop comment on les utilise. Ah, ça, c'est le congélateur. C'est pour envoyer le hamster dans le futur. On le met dans le congélateur et ça le cryogénise, en fait. Et on peut le récupérer dans le futur. C'est mortel. Ah, et là, c'est la pièce. Il ne vaut mieux pas. Pourquoi ? Bon. Il veut pas. Ah oui, c'est pour le lit qui vibre, la pièce. Je m'en souviens. Est-ce que c'est dans c'est ici? Ouais, c'est ça. Alors là, faut dans le truc. Voilà, comme ça, ça fait vibrer. Ah merde, j'ai plus de pièces. J'ai plus de pièces là. Ah ouais, faut récupérer des pièces. Comme ça, le mec, il se pète la gueule. Attends, on va allumer la télé. Au prix spécial de 2 millions de dollars. Salut ceux qui arrivent. Pas cette occasion. Là, ça, faudra l'acheter, ce diamant. Ah, je vais fermer la porte. Je crois qu'il y a un truc derrière. Ouais, voilà, il y a des clés. Hop. Après, deuxième pièce. C'est parti. Allez, je mets une petite clape. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a l'encre. Je prends l'encre et je donne. Là, c'est un mec suicidaire, en fait, qui veut se suicider. Donc là, on lui file la lettre. Ah merde, je l'ai envoyé dans le passé, la lettre. Donc, faudra la récupérer. Hop. Si vous êtes trop fort. Ah, bah la tentacule verte le retour. Oui. Hey. Quoi de neuf, à ton avis? Tac, 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 tac. Tu peux m'aider à sauver le monde? Pas bouger d'un pouce. Tac, tac. Bon, ok, à plus tard. Donc là, faut allumer la musique, je crois. Alors.
stéréo. Utiliser la stéréo. Voilà. Décoller. Donc on va pousser le haut-parleur pour le mettre au sol. Comme ça, ça va complètement décoller le vomi qui était au plafond. Boum! Voilà, comme ça on le récupérera en descendant. Bon, on laisse la musique allumée, on s'en branle. Hein. Allez, allez, on monte à l'étage. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah, le hamster! Le hamster, il est là. C'est lui qu'il faut récupérer. Alors, le hamster. Le hamster, prendre le hamster. Comment on peut faire? Ok, j'ai le hamster. J'ai le hamster. Oui, il est là. On va essayer de le mettre au micro-ondes. Ah, bon, on va vite faire regarder ce qu'il y a dans les autres pièces là. Alors. Ah ouais. Donc là, faut faire tac et. Allez, boum. Mais là, à cause de la statue. Elle se jarre pas, donc il faut trouver le moyen dans le sculpteur, en fait, au niveau des sculpteurs de la statue, de changer de bras pour qu'on puisse la pousser. Allez, et dernier étage. La fieu à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Tac, ah. Le retourneur de vache a encore frappé un être triangulaire repéré sur les lieux. Ta-ta-ta. Tac-tac. Ouais, en fait, il n'y a pas grand-chose dans cette pièce, donc on va redescendre. Et on va aller chercher le vomi. Et il faut que je récupère avec... faut que je récupère la lettre... La lettre qui... Alors, donc la lettre... Mais merde, je l'ai mis où, la lettre? C'est elle qui l'a? Non, bah je l'ai sur moi alors. Je l'ai sur moi cette lettre. Ah putain, elle est là. Ok. Mince. Hop. Donc, on va ici. Ah non, c'est la pièce d'à côté. Allez. C'est la pièce d'à côté, voilà. Donc le suicidaire, on va lui donner la lettre. Voilà. Qui se trouve ici. Donc, utiliser la lettre sur le mec. Voilà. Donc comme ici, on attend de vos nouvelles, tout ça. Allez. Donc là, le mec super motivé. Hop. Vous êtes génial. Quel design novateur. Venez immédiatement à Baltimore. Tac. Et là, il est revu, il se barre. Et donc, on peut prendre le pistolet. Hop. Très important. Moi, je sais que je m'étais embrouillé sur ce putain de trou de souris. Parce que je crois qu'il y avait une énigme avec ça, mais si je me souviens bien, il n'y en a pas, en fait. Mais je me souviens que je m'étais bien pris la tête. Allez, on descend, on va récupérer le vomi en bas. Hamster, voilà. On va le mettre dans la glace. Hein, pour le cryogéniser. Hop. Ok. Alors, ne va devenir The King. Mange des hamsters, dégustation à la fin du live. Grave. J'ai oublié d'éteindre la musique. Donc, bon, c'est pas grave. On va donc prendre le vomi. On prend le vomi du mec qui était sur la porte. Hein. Qu'est-ce qu'il fout, lui, ici? Il y a une momie. Il y a carrément une momie dehors. Ok, ça. Parking. Ah ouais, ok. Je m'en souviens. Donc, il faut donner les clés au voleur. Alors. Hey, thanks, pal. Keep the crowbar. Thank you, Masked Man. Ben, c'est le FIFA du pauvre. Attends, du coup, il m'a filé le... Ouais, c'est ça.
Donc maintenant, on va pouvoir, si je me souviens bien, décoller le chewing-gum avec la pièce dedans. Donc. Eh ouais, il y a le petit marchemin. Ta vidéo. Hop. Donc. Ah oui, pour récupérer, faut parce que là il y a la pièce et le chewing-gum, donc ah c'est bon, j'ai récupéré la pièce du chewing-gum. Donc là, je vais là, j'utilise encore une pièce dans la machine. Boum. Et là, le pull que je prends, voilà. Et là, il va falloir le mettre dans la machine à laver. On le récupérera dans le futur. Comme ça, il va, avec la machine à laver, donc 200 ans dans le futur, et ben le pull, il aura rétréci. Et on pourra le donner à l'hamster cryogénisé pour le réchauffer, quoi. Ça, je m'en souviens. Voilà. Alors. Voilà. Et après, il faut récupérer 2 millions de dollars pour faire tourner la machine. Si je me souviens bien. Si je me souviens bien. Alors, je vais vite faire... Ah oui, il faut récupérer le cigare. Alors, le cigare. Hop. Donc, zut. Utiliser le flingue avec le flingue. Regardez, la gravité s'est inversée derrière vous. Je ne vois rien. Ce n'est rien. Alors, parler. FIFA 17. Je savais pas qu'on était à ce point-là. Alors, quel beau cigare. Et un autre cigare. Ok, mais only if you promise not to light it this time. Et voilà, dans le cul. Ça n'a pas explosé. Et donc on récupère le cigare explosif. Allez. Donc faut retourner dans les chiottes temporelles. Là, faut vraiment que j'éteigne la musique parce que là ça tremble de partout. Allez. C'est Day of the Tentacle, c'est un jeu d'aventure qu'il y avait sur PC à l'époque quand j'avais 13 ans. Donc, on va le cigare déjà dans les toilettes. Hop. Après, on prend lui. On récupère le cigare. Voilà. Donc là, on est 200 ans dans le passé. On récupère le cigare dans les chiottes temporelles. On retourne au pistolet qui est là. Voilà. On retourne avec lui. On prend le pistolet. Hop. On retourne à Bernard. Là, on met les dents clapoteuses là. On reprend lui. Ah mais Full Trotters aussi, bah c'est la même boîte, hein. Day of the Tentacle et Full Trotters. Il y a Sam et Max aussi, Monkey Island, tout ça quoi. Allez, maintenant qu'on a tout le matos, on va faire du game là. Merde. Allez, prends le chemin. Voilà. Voilà. Bon, on retourne à l'auberge. Bah ouais, hein. Chiotte temporelle. Represent. Allez, hop, la porte. Par contre, ça se déplace pas vite, hein. Prêt, hein, vite fait. Donc là, il faut donner un cigare à George Washington. Donc George Washington, que je rappelle, un dentier. Donc on donne le cigare à George Washington. Excusez-moi. Oui. Monsieur le Président, puis-je vous offrir un excellent cigare? Absolument. Allez. Eh bien, dans ce cas, le briquet flingue, trop classe.
Et là, c'est le cigare explosif qu'on a piqué au mec. Vous voyez le dentier là, mortel. Allez. Hop. Et là, il a perdu son dentier. Et donc là, on lui file le dentier mécanique clapoteur. Voilà. Enfin, ça c'est de l'énigme. Voilà. Et comme ça, étrange. Moins de café. Tom, regardez. Le père de notre nation a froid. Il faut faire du feu. Vous avez raison. Faites-le donc vous-même, ce feu. La fumée me dérange. Faites le feu. Votre attitude me dérange. Faites le feu. Non, vous allez le faire, monsieur l'homme de plume. Non, vous... Non. 3 heures plus tard. Le feu est fait. Okay. Non, 2 heures plus tard. Ok. Carrément, quoi. Ok, donc là, on récupère... Ah, on récupère la couverture. Hop. Ah, hop. Couverture. On prend... Couverture. Hein. Attention. Et la couverture. Alors, ça s'enchaîne, là. Ça s'enchaîne. Donc, on monte sur le toit. Donc là, ceux qui connaissent, en fait, il y a un portrait de Sam ou de Max. Je crois que c'est Max. Là, on... sur le... Allez, ta-ta-ta. Donc là, on monte. On passe par la fenêtre. Allez, gros porc. Allez, Voilà. Et là, sur la cheminée. Hop. C'est franchement un jeu de gros bâtard, quoi. Ouah, au feu. Quel est l'imbécile qui a allumé ce feu? Ben, comme ils arrêtaient pas de se renvoyer la balle, c'est impossible de le savoir. Allez. La merde. Hop. On redescend tout en bas. Et on... La plume d'or. Moi, je croyais que c'était le dentier du cheval, en fait, qu'on allait récupérer. Remarque, si on... Je sais pas si on peut récupérer le dentier de George Washington qui l'a fait tomber. Voilà, donc... Là, il n'y a plus personne. La plume en or. Comme un gros bâtard. Et bah, c'est tout ce qu'on peut prendre. Hop. Et donc, on se barouille. Ah. Ils sont de retour. On respire mieux maintenant. Vous avez pris la plume en sortant? Non. Mon fils, sais-tu quelque chose sur cette couverture? Le type à côté de vous en avait une avant. Ah, le bâtard! Le gros bâtard. Bon, à plus. Ah là là. Donc là, on va filer l'or déjà. Déjà, on a un d'or. La plume d'or. Hop, on va donner à Edison. Ah, excellent. La super batterie, donc il manque. Il manque quoi? Attends, je vais lui parler parce que. Tac-tac. Qu'est-ce qu'il vous faut pour la super batterie? Alors, de l'huile, du vinaigre et de l'or. Donc, il me faut de l'huile et du vinaigre. Ok. Mais je crois que l'huile, j'en ai récup, là. Ouais, voilà. De l'huile. Voilà. Et... Ok, mais le vinaigre, c'est dans le futur. Ok. Bon, je crois qu'on va arrêter là. On reprendra la partie. Je sais pas si on peut... Ah oui, sauvegarder, ça va être là. Reprendre. Ah bah non, c'est bon. C'est bon. Ok, sauvegarder, voilà. Allez, peut-être un autre jour. Cette petite aventure.
Donc c'est le jeu, c'est Day of the Tentacle. Si vous avez envie de taper une petite recherche, c'est un jeu bien fun, bien fandard. Voilà. Donc ciao tout le monde, bonne nuit. Merci d'avoir parti. Voili voilou. Là, j'en profitais d'ailleurs pour aller me chercher un café. Café de ouf. À 2h du mat, il serait peut-être temps. Amazing once-in-a-lifetime opportunity.